Grand-mère, ta chanson là m'intéresse, mais pas trop. C'est le plantain aussi qui m'intéresse parce que, grand-mère, le plantain avec l'huile rouge et un peu de sel, grand-mère, c'est la magie, c'est bon jusqu'à. Aïe, grand-mère, il n'y a que les gens de la ville qui ne connaissent pas ça parce que là-bas en ville, ils préparent avec le gaz. Oh, ici au village, on prépare avec le feu de bois. C'est facile à briser le plantain là. Wow. Tu mets l'huile dans l'assiette, tu mets le sel, après ça va, tu manges, tiens. Mon fils, les gens de la ville. Ce n'est que le gaz partout. Si ce n'est pas le gaz, c'est le réchaud à pétrole. Nous, ici au village, on cuisine au feu de bois. Et quand la nourriture l'a encore dormi, le goût. Par exemple, quand j'étais encore avec votre grand-père, je lui faisais son mets de pistache. Au feu de bois, dans la marmite, ça cuit bien. Après, il me dit, ma, retire un peu la braise là. Tu poses mon mets dessus. Je mets dans son mets là. Je pose ça sur la braise. Le mets là, ça chauffe, la braise chauffe, ça dit le goût qui remonte de là. Grand-père connaissait. Quand il mange ça, il est content. Le goût de ça, en parlant même de ça, tu ne nous avais jamais raconté comment tu as rencontré grand-père. Eshkenan, c'est quel genre de question que tu poses à grand-mère? Ça va, Larissa, ça va. Ah, les enfants, vous me plongez dans de très bons et lointains souvenirs. Qui grand-mère? Très bon, dans des très bons. Votre grand-père était un grand commerçant. Je l'avais rencontré au marché de Dibombadi. Aïe, qui est grand-mère? Vous faisiez quoi loin là-bas au marché? Loin au marché de Dibombadi? Votre grand... Le marché de Dibombadi, c'était le marché des retrouvailles. Votre grand-père venait souvent vendre les oignons, le haricot, les arachides. Et moi aussi, je faisais dans le petit commerce. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé donc au marché de Dibombadi, dans son stand. Vous appelez ça encore quoi? Son comptoir. Il avait son comptoir là-bas. Grand-mère, le jour là, non? Tu as fait comment pour savoir que c'était lui l'homme de ta vie? C'était aussi un sapeur. Kenan, tu poses quel genre de questions comme ça? En plus, ce n'est même pas de notre âge. Oh, Larissa, vous aussi, vous allez grandir. Voilà. Votre grand-père était un bel homme. Grand-mère, comme moi. Il était grand. Qui, grand-mère? Moi. Costaud. Ouais. Non, il était tout. Comme moi. Comme toi, quoi, Menso. Il avait toujours un nœud papillon ici. Soga d'abord. Une chemise blanche, bien amidonnée. Il avait un vélo Hercule. Vous avez connu ce genre de vélo-là? Le vélo avait la taille comme un cheval. Ah oui! Ce n'était pas n'importe qui avait ce genre de vélo à l'époque. Quand tu avais... On voyait quelqu'un avec ce vélo-là. On disait que non, là, voilà un grand homme. C'est comme ça que j'ai dit que ma part aussi est arrivée aujourd'hui. Un grand homme. Ça. Il avait même les mêmes lunettes que toi. Il portait les lunettes.
Toi, je lève les yeux, toi qui sièges là-haut. En ce jour qui se lève, je te confie toutes mes difficultés. Tu connais quel est mon vœu, papa. Je sais que rien n'est cadeau. Mais malgré mes problèmes, éloigne de moi la facilité. Ô Seigneur, entends mes supplications. Toi-même, tu connais ma vie. Pardonne-moi, pardonne-moi. Hier, ça m'a pardonné. Aujourd'hui, je vais encore essayer. Je lui laisse un doux message. Je sais qu'il a fait la fête en France hier. Aujourd'hui. Elle a trop porté l'autre ici. Aka. Le jour où je vais parler à François aujourd'hui. Hey. Et puis la Française ne m'a pas encore répondu comment. Vraiment. Où est la photo de Fopi de François? Ok. Donc en France, il y a aussi des problèmes de réseau. C'est comme si en changeant la photo de profil, elle n'est pas sortie. Bonsoir, oh mon chéri. Un peu regarder ces statues. Ok. Depuis quand François ne met pas les statues? C'est comme s'ils n'ont pas fait la fête hier. Ou bien c'est toujours le problème des réseaux là. Est-ce qu'il y a les gros problèmes des réseaux comme ça en France? J'espère que quand elle va revenir là, le réseau sera stabilisé de son côté. Parce que ici là, moi j'ai le réseau. Oh, les gens de France là, ils se vantent avec leur pays, pourtant ils n'ont même pas les réseaux. Ah, là, c'est pas possible. Je vais pas d'abord me laver. Voilà. Comment, mais c'est pas bon. Ok, attends, je vais prendre ce qui est un peu plus petit. Ce qui est un peu plus petit.
Voilà. J'assure. On voit que ça brûle aussi très vite, mais... On peut aller. Ok. Laurie, depuis quand on m'envoie chercher le bois, tu viens m'aider, non, maman? Je ne suis pas venue t'aider. Je suis venue te faire savoir que tu as été démasquée. Ok. Tu penses que depuis hier, tu posais les questions bizarres à la grand-mère. Tu penses qu'elle n'est pas compris. Hein? Tu as le chaud. Qui? Toi. Qui a le chaud? Tu as le chaud. C'est comme si ça ne va pas dans ta tête. Pardon, laisse-moi chercher le bois. Okay. Tu penses que depuis tu dis à la grand-mère que, oh, est-ce qu'un sapeur, quand un sapeur me dit je t'aime, tu pensais qu'elle ne comprenait pas. Hein? Tu as le chaud. Elle n'est pas le chaud. Attends un peu. Attends. Tu penses que si moi, Kenan, je voulais avoir le chaud, c'est dans votre pourri village, je sais que moi j'allais prendre le chaud. Avec tous les beaux garçons qu'il y a dans ma classe. Pardon, mais vous les machines qui montent et descendent partout ici au village, ça me ressemble. Garde-moi celle-là. Garde ce que tu racontes là pour toi. Si tu veux, tu trompes la grand-mère. Tu pensais que peut-être la grand-mère pense que oh, tu lui poses seulement les questions. Mais moi, j'ai compris. Tu as le chaud. Pardon, mais... J'espère seulement que tu ne veux pas déjà faire les bêtises. Moi, j'ai la faim. Laisse-moi tranquille. C'est même qui ça? Elle se prend même pour qui? Il n'y a que la vérité qui dérange quelqu'un comme ça. Elle a le chaud. Tu as chaud. Non, mais voici le bois là. Les gens dans la maison, ici là, ils commencent à poser des questions, genre, aux adultes. Alors qu'on est en train de demander. C'est qu'il y a les gens qui ne causent pas avec leurs parents, c'est leur problème. Si les gens ne veulent pas poser les questions aussi pour apprendre et grandir, ça me regarde, c'est pas mon problème. Est-ce que ça toque? Je m'adresse à toi, je connais ton nom. Tu es là, tu balais comme si tu vas mourir maintenant, mollement. Balais bien, non, comme une vraie femme. Je vais bien balayer. Demain. Ah. Demain. Ouais. Demain. Oui, même ici, comme les enfants peuvent fendre facilement. Comment? Bonjour, tu es là. Ouais. Comment? Ça vient, t'as ça, c'est le bois là. Hein. Tu vas fendre ça quand tu... Il faut que tu t'entraînes. Hein? Mathé, je suis Yala. C'est ça, là. D'accord. Donc, je vais avec et puis, maman, j'espère que tu ailles cotiser quand même pour la nourriture, non? Parce que je ne vais pas assister à la réunion aussi comme ça. Okay. Hein? Je ne peux pas blaguer avec la nourriture. J'ai cotisé. Okay. Tu vas manger mon poulet. Ok. Ça marche alors. Je vais de ce pas. Rassure-toi que c'est ma mague qui bouffe la réunion, hein? Et qu'on m'envoie mon savon. Ne t'inquiète pas. Tant que tu as cotisé pour la nourriture, si je mange, je vais te faire le rapport. Tout ce qui est monté, tout ce qui est descendu, A plus B. Je vais te dire. Ok. Hein? Donc, même si tu dors dehors, reviens ici avec mon savon. Je vais revenir avec ton savon. Non? Ok. Je cours directement. Hein? Donc, le savon, c'est quoi devant le poulet? C'est sur la route de Batocha là. Oui. Jette un coup d'œil dans mon champ pour voir si les herbes n'ont pas encore poussé là-bas. Mais remets un petit travail comme ça, tu veux ajouter beaucoup sur ça. Oui. Je te fais le point de toutes les façons. Je cours. Hein? Tu sais que tu es ma béquille ici au village. Je vais faire comment? Si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va bien avancer dans cette maison? Je t'attends. D'accord. Mon savon, oh! Balai, vite, wassa. Regardez les assiettes là, Eke. Regardez. Non, mais elle a encore la poussière sur les assiettes. Quoi, petites assiettes, vous voulez mourir. Balai bien, ça, balai bien. Prends aussi ici, là. Prends-la, là où il y a les pieds, là. Prends-la.
Ouf, le rhumatisme ici. Ça ne me laisse même pas ces jours-ci. Aïe. Cette nuit, même. Je n'ai même pas. Grand-mère, voilà le pot que tu as demandé. Regarde ce que l'autre a ramené. C'est bien. Grand-mère, voilà le pot que tu as demandé. Kena, ça là, ce n'est pas le nœud. Ah, je t'ai bien dit que c'était pas ça. Le camp. C'est le kelam. On fend ça comme ça. Et on retire le pistache qui est dedans. Le reste là, on donne ça au porc. Il mange. On ne mange pas ça. Vraiment. Non. C'est le nœud porc qu'on mange. Je demandais quelque chose. Et tu? Kelam. Larissa. Oui, grand-mère. Va chercher la bassine, tu mets un peu d'eau là. Et tu apportes aussi le couteau. Ok. Je vais préparer ça. Je mets ça au feu. Oh. Tu sais que la conversation qu'on a commencée hier sur grand-père, là, on n'a pas fini ça. Oui. Tu veux encore savoir quoi? Grand-mère, je vais te poser une question. Ne te fâche pas. Grand-mère, si un homme dit à une femme que elle est belle, non, et qu'il n'a Dieu que pour elle, c'est vrai. Kena, c'est avec ce qu'on entend que les hommes nous prennent. Et c'est avec ce qu'on voit qu'on prend les hommes. C'est pour ça que les hommes mentent et les femmes se maquillent. Mais grand-mère, même les hommes qui sont bien habillés sont les menteurs. Oh, ma fille. C'est pas parce que ça a marché avec votre père. Hein? Votre père, c'était votre grand-père. C'est pas parce que ça a marché avec lui. C'était un grand sapeur. C'est vrai. Mais sache que qu'un homme bien habillé ou mal habillé, ils sont tous des menteurs. Et le couteau, qui a oublié le couteau? Je suis sûr que je serai félicité. Oh là là, je ne regrette rien. Ce petit portail. Bon, patata, merci pour le présent. Bonjour Sophie. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien au village là-bas où tu es. J'ai longtemps hésité à t'écrire ce message parce que je n'arrivais pas à trouver les mots justes. En fait, la vérité, c'est que tout ne se passe pas exactement ici en Europe comme je t'ai souvent raconté. Tu as sûrement remarqué un changement dans mon comportement ces derniers temps. Honnêtement, j'ai cru qu'en t'ignorant, tu allais comprendre que je suis passé à autre chose. Mais ce qui me fait mal, c'est que j'ai l'impression que tu m'aimes encore plus malgré mes mensonges, malgré tous nos rendez-vous manqués. Mais ça ne peut plus continuer comme ça, Sophie. Je suis obligé de te dire de chercher quelqu'un d'autre. Parce que moi, je ne reviendrai plus. Je suis désolé pour tout le temps que j'étais perdu. Je sais que rien ne pourra racheter mes actes. Je te demande juste de me pardonner. Pardonne-moi, Sophie. Et à mon tour, je te souhaite de trouver l'amour et d'être heureuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi, depuis tant d'années, tu me fais ça à moi. À moi. J'ai fait quoi? Je suis finie. Je suis finie. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ma vie. Je ne veux plus jamais. Moi, c'est... Prends tes choses, tu pars. Ne prends plus jamais la route de ma maison. Tu me parles pourquoi? Je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. Paie la route encore un
jour où tu viens ici, je vais te montrer. Va dans le zoo. Ne viens plus jamais, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Sophie. So. So. Je dis même plus quoi le cas. So. So. Voici ton savon qu'on a donné à la réunion. Ah. Et puis on a dit que Maman Yena a dit qu'elle va partager le sel quand tous les membres de la réunion seront là, qu'elle ne veut pas le sel. Ah. Et puis c'est Maman Guéry qui a bouffé. Ah, ok. Je savais que c'est elle qui allait bouffer la réunion. Et puis on a dit que ce n'est qu'à partir du mois prochain qu'on va commencer à faire les prêts aux gens. C'est comment? Tu n'as pas mangé là-bas. Viens, j'ai quand même fait un peu le nepo là. Ah. Tu manges avant. Non, non, quand même. J'ai mangé. On m'a donné ta cuisse de poulet, non? Ah. Ce n'est pas la nourriture qui me dérange. C'est quoi alors? C'est que, je suis passé chez Sophie. Et Sophie m'a chassé. Ah. Mais... Sophie? La façon avec laquelle elle m'a chassé, ça m'a beaucoup fait mal. Sophie ne m'a jamais chassé comme ça. Ouais. Là où tu me vois placé, là, j'ai honte jusqu'à. Quand il marchait, il y a comme l'impression que c'est tout le village qui a vu comment elle était en train de me chasser. Ouais, fils. Je t'ai déjà dit que l'affaire de Sophie, là, laisse ça. Sophie n'est pas concentrée avec nous ici au village. Elle est ailleurs. Oh, mon fils, laisse ça. Hein? Il y a d'autres jolies filles ici au village. Hein? Tu peux quand même trouver ta part là-dedans. Laisse ça, mon fils. Oh, ça me fait... Oh. Qu'est-ce que tu veux te faire le compte? Viens quand même manger un peu le nepo là. Ça peut te donner un peu de... Non, quand même. Il n'est pas faim. Il vais peut-être manger un autre jour. Là, il n'est pas faim. Là, il n'a pas faim. Depuis quand tonton t'a comme refusé la nourriture? Mais ça, il mange souvent ici, là. C'est sûr qu'il est malade. C'est sûr qu'il est malade, quoi. La dernière fois, il était malade. Mais il mangeait plus que quelqu'un qui est en santé. Ça ne peut pas être la maladie. C'est sûr que c'est autre chose, mais pas la maladie. Tonton il ne mange pas. Il mange comme... Non, c'est pas la maladie. Mais pourquoi tonton t'a comme ça? Laissez-moi. C'est le problème entre les grandes personnes. Il y a certaines grandes personnes qui aiment d'autres grandes personnes. Et l'amour entre les grandes personnes, c'est compliqué. Tu peux même laisser ta tête là, couper ta tête là-dedans. Ouais, tonton Takam. Il fait tellement pitié, c'est Christé. Mais quand l'autre jour il mangeait, je lui ai demandé, il m'a refusé, c'est même bon. Comment tu as pas soin? Ah, c'est toi qui joues. Ah, pardon. Même là, il veut tout te gagner. 5.
So? So? So, ouvre alors. So. So. Comment tu peux me faire ça? So? So?